Chaque relais va aller de 5 touches en 5 touches. C'est ces deux garçons que vous découvrez devant l'écran, sur votre écran. Kyosuke Matsuyama et Alexander Macialas vont donc aller jusqu'à 5. Le premier à 5 va donner le relais à son collègue de l'équipe avec un petit peu d'avance. On va vous expliquer tout ça. C'est du fleuret, Célia, on rappelle, surface valable, c'est ce qui est grisé. Exactement, la tête, les bras et les jambes ne comptent pas. Et c'est une arme de convention, c'est-à-dire que pour marquer la touche, il faut avoir la priorité. Et on est là pour vous expliquer tout ça. Par exemple, l'attaque est partie de la droite avec l'Américain qui a inscrit sur la surface non valable, donc il n'y a pas de touche. Alors pour discerner les touches qui vont être valables, des touches qui seront non valables, on a les lumières que vous voyez s'allumer. Quand ça s'allume blanc, c'est non valable. Si ça s'allume en rouge, c'est à gauche qu'il y a un point, donc là en l'occurrence un point japonais. Et si ça s'allume en vert, ça veut dire que c'est l'Américain qui a touché sur une surface valable. Voilà, et vous voyez, il y avait eu un petit bonus pour le Japon avec deux touches d'un coup. Non, il n'y en a qu'une, c'est bien ça. Ça fait 1-0 pour le Japon. Chaque relais se joue dans un laps de temps de 3 minutes, de temps effectif. Hein. On arrête le chrono quand il y a un temps mort. Et pour l'instant, les Japonais sont partis sur les chapeaux de roue. Et si à l'issue de ces 3 minutes de temps effectif, on n'est pas à 5, on passe au relais suivant. Et on garde son objectif de points, c'est-à-dire que admettons que là, à la fin de ces 3 minutes, il y ait toujours 2-0, ce qui est peu probable, mais on va prendre ça comme exemple. Les relayeurs suivants iront à 10 en repartant de 2-0. C'est très clair. Il n'y aura pas 2-0 puisqu'il y a déjà 3-0 pour le Japon. Ah, il est un peu cueilli à froid là, le Alexander Macialas. Et ils ont une grosse débauche d'énergie en demi-finale face aux Italiens. Les Italiens menaient tout le long du match contre les Américains et Alexander Macialas qui fait un solide dernier relais et qui revient et qui permet à l'équipe des États-Unis de l'emporter 45-44 face à cette solide équipe italienne. Solide hein, équipe italienne, oui. Qui a réalisé hier un quadruplé en mettant 4 tireurs aux 4 premières places dans l'épreuve individuelle que vous avez pu suivre sur notre antenne. J'allais vous dire petit à petit, il refait son retard l'Américain. Mais il se fait encore une fois surprendre par le Japonais. Il est très vif, hein, le Kyosuke Matsuyama. Ah, et encore une fois, il avait pris la parade et il a tenté une remise un petit peu spectaculaire. Alors, ce que explique l'Américain, c'est qu'il a touché sur le zip, sur la fermeture éclair de la cuirasse électrique de son adversaire. Et c'est pour ça que ça a allumé non valable, alors que c'est au milieu d'une surface valable. Il n'est pas content. Mais la règle, c'est la règle. Et c'est non valable. Oh, la remise. Je pensais qu'il accorderait la parade. Ah non. En fait, le Japonais ne touche pas sur sa première riposte. Ah, il s'est bien raccroché de la part de l'Américain qui vient égaliser. Voilà, 4 partout. Donc celui qui met la touche passera le relais avec une touche d'avance. Et c'est le Japonais, 5-4. Alors là, l'Américain explique que son adversaire s'est protégé la surface valable avec le masque, qui est une surface non valable. Et il a demandé à l'arbitre d'aller constater visuellement ce qui serait une faute, ce qui annulerait la touche du Japonais et ce qui entraînerait un carton jaune. C'est pas le cas. Voilà, la touche est validée. 5-4 pour le Japon qui vire en tête à l'issue du premier relais. Et on passe ainsi au deuxième relais. Takashiro Shikine face à Miles Chamley-Watson. Chamley-Watson qui a énormément d'expérience. On le voit sur le circuit depuis des années. Il a été champion du monde en 2015, je dirais. On va vérifier. Je vais vérifier mes propos. En tout cas, c'était dans ces années-là. Peut-être même 2013. Une escrime très atypique, vous allez voir, c'est assez fantasque. Il aime créer des touches. C'est le seul qui sait faire ça.
Et il y a un contraste entre ces deux tireurs. Il y en a qui est très grand, c'est l'Américain, et qui va donc profiter de son allonge, essayer de maintenir à distance son adversaire, le Japonais, qui est plus petit, qui est plus véloce, et qui lui va devoir prendre le fer pour se rapprocher, casser la distance en tout cas, et mettre son adversaire à distance. Voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait venir l'Américain, il l'a laissé attaquer, il a paré sa lame et il a riposté. Il écarte la lame ici et riposte. Ah, c'est incroyable, vous avez vu ça? Il n'a pas osé y aller l'Américain, il avait peur de se faire contrer, alors que pourtant il était à quelques centimètres, peut-être même moins. Et ce qui est impressionnant, du Japonais. Ce qui est impressionnant, c'est la sérénité du Japonais. Il n'a pas bougé, hein. Il attendait, vas-y. Exactement, et qui regardait la pointe de son adversaire à quelques centimètres de sa cuirasse sans paniquer. Ah, il s'est bien fait encore cette attaque du Japonais. Il varie bien. Championnat du monde 2013 à Budapest. Et encore une fois la même, il se fait surprendre. 4 touches consécutives, il se prend un 4-0, Chamley Watson. Chikine qui est vraiment directement prêt dans son match. Et il n'y a qu'une seule lampe qui s'est allumée. Et il est passé en fait l'Américain, bien sûr. Il demande à l'arbitre de vérifier que son fleuret fonctionne. Mais il fonctionne, il est passé, c'est tout, il n'y a pas d'explication. Et il s'est pris un 5-0. En un 28 secondes. 5-0, 28 secondes. Et alors le match qui se prépare va être très intéressant. Du côté des Japonais, Yimura, il a 20 ans. Il est jeune et très très prometteur. Vous allez voir une escrime dynamique, mais bien puissante. Face à lui, Nick Itkin, qui a remporté le CIP en 2020. Ici même, c'était sa première victoire en Coupe du Monde. Et depuis, il est régulièrement invité sur les podiums. Il est médaillé mondial, médaillé olympique. Il est parmi les tout meilleurs. Encore une grande différence de gabarit. Yimura qui est assez petit. Nick Itkin, grand et assez élancé. Ah, d'une façon générale, je pense qu'on aura trois oppositions similaires, hein, avec les Japonais véloces d'un côté et les Américains costauds et grands de l'autre, qui veulent profiter de leur allonge. Il n'est pas maladroit avec sa pointe non plus, hein. Nick Itkin. Et encore une fois l'Américain qui passe. Vous voyez le Japonais qui fait un pressing vers l'avant. Maintenant, c'est l'Américain qui fait reculer son adversaire. Il attaque du Japonais. Il fait des choses simples mais efficaces. Et l'Américain, il ne savait pas trop s'il fallait reculer, s'il fallait parer. Il était un peu entre les deux. Alors pour défendre, on a deux techniques, soit reculer, soit défendre avec la main, c'est-à-dire prendre une parade, comme il vient de le faire, c'est-à-dire j'écarte la lame de mon adversaire lorsqu'il m'attaque, c'est ce qu'on appelle une parade, et le fait d'aller toucher après s'être défendu, c'est une riposte. Et là, l'attaque est directe du Japonais. Le Japonais qui fait reculer l'Américain et qui vient toucher, non valable. Encore une fois, non valable de la part du Japonais. Et cette fois, c'est l'Américain qui prend les devants, qui fait reculer son adversaire. Mais il déclenche rien, Nick Itkin. Et il le Japonais... Pousse, il pousse, mais sans... Exactement, et le Japonais qui le sanctionne. Pourquoi.
14-6. Ça commence à faire cher là pour les Américains. 8 touches d'écart en 3 relais, ça peut être dangereux. Même si au fleuret, tout peut basculer très vite. Les remontadas, comme on dit, ça existe. Et on en a vu une très belle ce matin en tableau de 16. C'est le Français Maxime Poti qui a fait une très belle remontée face aux Hongrois. Il peut plus reculer le Japonais là. Le dernier relais. Je regardais 12-3. Le pied. Là. Ah, il est bien resté. Oh, il a poussé. Oh. Il craque l'Américain. Hop là. Ils ont un petit peu laissé aller. C'est vrai que. Voilà, pas de touche. Et un carton. Alors vous verrez les deux tireurs se mettre en garde, parfois au milieu, parfois en milieu de piste, parfois là où ils étaient. Ça dépend s'il y a eu un point ou pas. S'il y a un point, on se remet en garde au milieu, sur les lignes bleues que vous voyez. S'il n'y a pas de point, on reste où on est, on se remet à distance et on repart de là. Allez, il marque une touche et de kill. L'attaque de l'Américain. Là, il a pris une décision forte. Il a déclenché quelque chose et ça paye 14-8. Et l'expérience du Japonais, tout de suite, il a pris deux touches de rang et il change de fleuret. Alors, il avait peut-être un doute sur la fiabilité de son arme, peut-être, mais c'est aussi pour casser l'éventuelle dynamique de son adversaire. Je vous rappelle que la fin de ce relais, c'est à la 15e touche. Il reste donc une touche à inscrire pour le Japonais, mais potentiellement, l'Américain peut en inscrire 7. Et voilà, 14-9. Alors, je comprends la demande de Hiruma. Il estime que l'attaque de l'Américain se fait en deux temps. Il y a une première phase. On va regarder le ralenti. L'Américain à droite. Et ensuite, il reprendrait. Alors, c'est pas flagrant, mais c'est vrai qu'il ralentit dans son attaque, l'Américain. Ça peut être perçu comme un marché fente. C'est en tout cas ce que donne l'arbitre, puisqu'elle lui donne le point. Oui, voilà, c'est validé par l'arbitre, ça fait 14-9. Et le Japonais ne pourra plus demander la vidéo, puisque l'arbitre ne s'est pas déjugé. Ah, la parade magnifique du Japonais. Il a bien fait partir l'Américain. Il a très bien lu l'attaque de l'Américain. Il a écarté la lame et il a touché. Hop, j'écarte en six. Et je touche. Et ça fait 15-9 pour les Japonais. Et en piste, Kyosuke Matsuyama est face à lui, Chase Emmer. Le jeune Américain, toujours junior. Et l'attaque directe de l'Américain, il a trouvé une bonne cible. Le Japonais est resté presque scotché sur place. La parade riposte de l'Américain. Il y a deux battements. Un premier battement qui est offensif de la part du Japonais. Et le deuxième battement, l'arbitre estime que c'est un battement défensif de la part de l'Américain.
Alors il faut les discerner, ces battements. Ah, c'est pas clair là quand même. Là. Parce que comment on voit la différence entre un battement offensif et un battement défensif? Moi, pour moi, il y a deux battements offensifs du japonais. Le deuxième est peut-être moins franc. Voilà, le problème est que le deuxième est moins franc. Et si on voit clairement que le tireur qui se fait attaquer prend une parade et que la force de la parade est supérieure, alors on lui accordera le point et c'est ce qui vient de se passer. Voilà, et ça fait 15-10. Ça fait 15-11, deux touches de rang d'ailleurs de la part de l'Américain. Et la parade est restée collée, la parade du japonais. Il n'a pas réussi à la dégainer. Il a plaqué. Oui, la parade riposte d'autorité de la part de l'Américain qui vient mettre une troisième touche de rang. Vous le voyez, pas mal de mouvements au niveau des jambes. Et l'attaque du japonais qui a fait bouger la main de son adversaire pour ouvrir des cibles. Et la fin de ce relais, c'est à la 20e touche. Donc. Oui. Le japonais doit inscrire 5 touches, l'américain n'en a plus que 8 à inscrire. Et l'attaque de l'américain qui ne touche pas. Il a cherché le fer, il n'a pas trouvé, et du coup c'est moins pratique. Il est parti d'un petit peu trop loin sur celle-ci. Et là, sur la marche, le japonais qui se fait surprendre. Et il vient de se prendre un 4-0, notre ami japonais. 4-1. Oui, il en a mis une, oui, il en a mis pour sauver un peu le début du relais. Mais c'est ça la force d'un relais, c'est le fait que tous les membres de l'équipe peuvent contribuer à remonter petit à petit. Oh, et cette parade riposte. Alors, si on voit le replay, si on a l'occasion de le revoir, ce serait super. Mais regardez, il monte sur sa parade, il monte la main. J'ai pas le sentiment qu'il l'écarte. Est-ce qu'il touche la... Enfin, en tout cas, c'était pas l'avis du coach japonais. Qui est Erwan, le Péchou, d'ailleurs. Tout à fait, que les Français connaissent bien. Qu'on connaît bien, oui. Qui faisait partie de l'équipe championne olympique à Tokyo. L'équipe de France. Et qui aujourd'hui accompagne les Japonais. Il fait un boulot incroyable, Erwan, au Japon. Alors, il a récupéré des tireurs qui avaient un talent, c'est certain. Mais depuis qu'il est là-bas, il a réussi à leur donner peut-être des outils supplémentaires, ce qui leur manquait, les petites armes, ce petit plus. Et depuis, ben c'est des podiums en Coupe du Monde, un titre de champion du monde par équipe et la tête du classement mondial. Parade riposte non valable. Il termine. En fait, il est bras court, l'Américain. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner la priorité. Il a le bras court. Et pour dire qu'une attaque est portée, il faut que le bras soit allongé. Alors ça, c'est intéressant parce que le Japonais a attaqué. A priori, il avait la priorité. L'Américain a tendu le bras. Il a touché. Et comme le Japonais n'a pas touché,
c'est l'Américain qui marque. J'ai bien résumé. C'est parfaitement résumé. Et déjà pas mal de pression dans cette finale hein, avec l'arbitre qui retourne devant l'écran pour être sûr de sa décision. Ah, j'ai aussi l'impression que là encore une fois que le Japonais avait le bras ou en tout cas la lame qui n'était pas en menaçante. On va voir ce que dit l'arbitre. Et c'est pour le Japonais. Alors, les Américains ne sont pas du tout d'accord. Alors, petite particularité de cette équipe américaine, les deux coachs sont aussi les papas de deux des tireurs. On a Greg Macialas, le papa de Alexander Macialas, et Monsieur Itkin, alors j'ai plus son prénom, qui est le papa de Nick Itkin. Voilà, et ils voyagent en famille. En tout cas, ces deux touches de rang inscrites par le Japonais lui font du bien. Oui, ça redonne un petit peu d'air à cette équipe japonaise qui menait sur le début de cette rencontre et les Américains qui ont refait leur retard petit à petit. Et ça sera 5 touches d'écart, la contre-attaque de Kosuke Matsuyama. Voilà, il a concédé 6 touches dans ce relais. Kosuke Matsuyama, mais il a réussi à en inscrire 5 quand même. Donc voilà, son équipe conserve toujours 5 touches d'avance. Ça reste solide. Avec le retour en piste de Kasuki Imura face à Alexander Macialas. Alexander Macialas qui a remporté ce Mazar CIP à plusieurs reprises l'année dernière. C'était lui le vainqueur. Vice-champion olympique à Rio. Médaillé à Tokyo également. Et numéro 1 mondial actuellement d'ailleurs. D'ailleurs. Voilà l'attaque. C'est très bien travaillé de la part de l'Américain. Il fait reculer petit à petit. Il travaille. Et puis il termine par une belle attaque. Il vient toucher à l'épaule. Ah mais surtout il reste à distance. C'est-à-dire qu'il est trop loin pour que le Japonais puisse l'attaquer. Et c'est lui qui choisit le moment où il porte son attaque. Voilà, là par contre le Japonais avait bien réduit la distance. Il avait bien cassé la distance. Oui, c'est quelque chose qu'on répétera toujours quand il y a des grands écarts de taille comme ici. Celui qui arrive à imposer sa distance aura un grand avantage. Donc un combat rapproché, le Japonais aura un avantage certain. Et à grande distance, c'est l'Américain qui aura l'avantage. Oh, la parade riposte, il est venu chercher le bas du dos. Elle est magnifique, cette riposte. Regardez. Hop, parade. Et on va chercher dans le dos en levant bien la main. Une touche qu'on a souvent vue hier avec les Italiens. Ah oui, les Italiens adorent faire ce genre de touche. Et encore une de Macialas. 3 touches de rang. L'attaque est non valable. Vous voyez cette explosivité de la part du Japonais. Ça va vite sur les jambes et ça suit. Le bras est bien efficace, mais c'est non valable. Et là, par contre, il s'est un petit peu emballé. La contre-attaque de l'Américain. Je ne sais pas comment il touche l'Américain. En fait, c'est impressionnant. Cet Américain a toujours la pointe sur la cible. Ouais. En tout cas, il est menaçant. Et ça fonctionne. Ici, par exemple. Je ne vais pas vous dire que c'est le Japonais qui s'est touché tout seul, mais
Et un changement d'arme. Là, à mon avis, c'est plus pour souffler, pour casser le match. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que ça fait 4-0 en 1 minute 10. Et puis on voit le coach français des Japonais qui prodigue quelques conseils de loin à son tireur, à son jeune tireur. Voilà, et on reprend l'arme du Japonais qui va être vérifiée, réparée éventuellement si besoin. Voilà, en tout cas, ça va pas fort du tout là pour Kazuki Imura. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que son attaque n'a pas touché. La première contre-attaque de l'Américain n'a pas touché non plus. Et au jeu des remises, c'est la priorité à la remise d'attaque qui a touché non valable. Alors là, la parade est accordée aux Japonais. Oui, alors elle est un petit peu dure, celle-là, à donner. Mais je suis d'accord avec la décision de l'arbitre. Celle-là, ça a voulu prendre le fer, mais c'est pas franc. Grosse discussion autour de cette touche. L'enjeu est d'importance, hein, car si l'Américain marque, les États-Unis reviendrait à égalité. Et il confirme l'arbitre. Autant pour moi, 21-20. Ouais, non, ils avaient déjà compté là. Alors qu'on a le remplaçant japonais Nagano qui est à l'échauffement. Alors est-ce qu'il va le rentrer ? Le coach peut décider de faire rentrer le remplaçant au cours du match. La Macialas qui travaille, qui prend son temps, vous voyez. J'avance doucement, je bouge la main, je laisse pas la possibilité à mon adversaire de prendre la lame. Et je presse vers l'avant. Il a été la chercher, celle-là, le japonais. C'est bien réfléchi. En fait, il attendait le battement de la part de son adversaire pour dérober la lame et venir toucher. Et là, l'attaque de gauche. Et 24-20, ça repart dans un sens et ça continue dans l'autre. Il était sur le point de se faire rejoindre Kazuki Imura. Et il s'est relancé. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches de rang. On voyait plus de détermination, plus d'envie dans les dernières touches du japonais. Peut-être un petit peu trop parce que là, il vient de se faire sanctionner. Et encore une fois, c'est malin ce qu'il voulait faire. Il voulait prendre son adversaire sur sa marche. Le pressing du japonais, bien défendu de l'américain. Et oui, c'est l'américain qui avait la priorité et qui va porter son attaque. Le japonais n'a pas réussi à faire l'effort défensif. Vous voyez encore ces battements de l'américain sur le fer de son adversaire. Et il va chercher une cible difficile dans le dos. Ça fait plusieurs fois qu'il va chercher le dos de son adversaire.
Alors il y a un avantage de taille, ça lui ouvre aussi la cible plus facilement. C'est une bonne solution trouvée ici par Alexander Macialas. C'est non valable. Il reste 14 secondes dans ce relais. Et si rien ne se passe au terme de ces 14 secondes, et ben voilà, on en restera là. Et on ira jusqu'à la 30e touche au relais d'après. Allez, une dernière touche peut-être. L'attaque de l'Américain qui vient égaliser. 24 partout. Tout est à refaire pour le Japon. Gros relais d'Alexander Macialas. Qui a remonté les 5 touches de retard du Japon. Et on l'a vu très calme, très serein pendant ce relais. Et là, au moment d'enlever son masque, et même encore maintenant, quand il rejoint ses coéquipiers dans leur box, il exulte, il crie. On sent que c'est le moment de laisser sortir tout ça. Alors que sur la piste, il était d'un calme impérial. Il a mis 9 touches au Japonais et en a reçu 4. Erwan Lepechou aussi est d'un calme impérial. Et on n'est pas habitué à le voir calme, notre Erwan. Oui, mais à mon avis, il va avoir une petite explication de texte avec Kazuki Imura. Bon, il vient d'avoir un petit geste affectueux pour son jeune tireur. Est-ce que Imura va faire le troisième match tout à l'heure, ou est-ce qu'ils vont procéder à un petit changement? On verra. Alors on verra, mais je vois Nagano depuis un moment debout. Il a fait quelques Ah ben il s'échauffe depuis le début, de toute façon. Donc Et là, Shikine face à Itkin. Ouais, c'est l'attaque du Japonais. Il était un petit peu sans solution, Itkin, en fond de piste. Et là, l'enchaînement. Et la parade non valable. Alors on vient redresser sa lame. Alors les lames des fleurets ne peuvent pas être courbées autant qu'on le souhaite. En fait, la courbure d'une lame, ça s'appelle une flèche. Et au fleuret, elle ne doit pas être supérieure à 1 cm. Donc Nikit Kim qui vient redresser sa lame pour être dans les règles. Il a une seule lampe, l'attaque de Nikitkin en force qui revient 25 partout. Alors, l'attaque est donnée à l'Américain. C'est vrai qu'ils sont partis en même temps. Alors, il y a les Japonais qui demandent une consultation vidéo. Donc l'arbitre doit rejoindre son assistant vidéo. On va regarder. Il y a un petit arrêt dans l'attaque de l'Américain. Un peu comme tout à l'heure, mais tout à l'heure, ça n'avait pas été sanctionné. Donc logiquement. Alors il y a deux arbitres qui tournent. Il n'a pas changé. Donc ça veut dire que les Japonais vont devoir prendre en compte le fait que. Ce n'est pas accordé quand Nikitkin attaque en deux temps. Tout en finesse. Sa première attaque ne touche pas. Le Japonais ne repart pas, donc Nikitkin rapidement vient mettre une remise. Elle l'a effleuré, la cuirasse. Pas de touche, la lumière s'est allumée après le halt de l'arbitre.
valable. Il avait fait bien parer l'Américain, mais il n'a pas réussi à toucher. Et oui, 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 oui. Je suis d'accord avec la décision de l'arbitre. On voit qu'il est en retard au niveau du bras, Itkin. Et l'attaque, magnifique. Très belle attaque de Chikine qui vient faire bouger la main de l'Américain pour ouvrir des cibles et il finit à l'épaule du bras armé. Elle est pas mal aussi celle-là. Bien rendu, bien rendu. Ah, ça s'emballe un petit peu là cette finale. Parade riposte, carte droit. Cas d'école. On se serait cru à la leçon là. Ah ouais, mais c'était vraiment bien amené, bien fait. Et encore une parade riposte. 30-28. Et c'est la première fois depuis le début de cette finale que les États-Unis virent en tête à l'issue d'un relais. On est sur 2-3 relais de suite bien solides de la part des Américains. Ah ben, Alexander Macialas et Nick Itkin ont fait très mal aux Japonais. Et suite au score assez sévère du premier relais de Miles Shamley-Watson, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est Emmer Chase qui est rentré, qui le remplace. Match de junior, Nimura contre Chase Emmer. Retenez bien ces noms parce qu'on va les revoir. Attaque de droite. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en retard. Imura a vérifié. Eh bien, on va vérifier tout de suite. Au replay. C'est pas flagrant. Hein, c'est... Non. Mais ça fait une touche pour les Américains. Elle est belle encore celle-là. Il est toujours vers l'avant cet Américain. Il a contourné la lame de son adversaire qui n'a pas pu parer. Oh, et sa parade riposte encore. Ah, il va vite. Hein. Il a une excellente gestion de la distance. Attaque de droite. Oui, comme tout à l'heure, c'est la même. Et comme il a déjà demandé la vidéo, le Japonais, il ne peut que se mettre en garde et accepter la décision de l'arbitre. 34-29 pour le Japon. Encore une touche à inscrire dans ce septième relais. Ah, si ça s'arrête à 35-29, il aura fait mal ce relais. Et le coach américain aura surtout réalisé un bon coup. Et il avait bien pris la lame de son adversaire, l'Américain. Voilà, une parade, une riposte. L'affaire est entendue, 35-29. 6 touches d'avance pour les États-Unis. Super coaching américain. Et rendez-vous compte, il est junior. Les deux sont juniors. Les deux sont impressionnants. Mais le relais que vient de faire Chase Emmer... il faut qu'il le garde, c'est un relais référence.
qu'on commence l'avant-dernier relais. Et effectivement, on a eu un changement côté japonais. Nagano qui est rentré. Alors c'est dur de rentrer sur un dernier match comme ça. Il n'a pas tiré en demi-finale, Nagano. Sur les matchs précédents, je ne suis pas sûre. Mais il va avoir de grandes responsabilités. En tout cas, il fait une bonne rentrée pour l'instant avec cette parade riposte. Il marque la première touche. Oh, et la riposte ne touche pas. Parade riposte. Donc il est fort. Et encore une touche. Ça va vite. Alors un petit mot rapide quand même pour nos Français qui sont venus prendre une belle troisième place. Et qu'on verra sur le podium en fin de journée. Elle c'est était jolie aussi celle-là. Hein. C'est le show Itkin. La parade riposte non valable. Nagano qui voulait demander la vidéo à Erwan Lepechou en bout de piste qui lui a dit non, c'est pas le moment. Le pressing de Nagano, Itkin qui arrive à provoquer son adversaire. Et encore une fois la contre-attaque non valable. Et voilà. Et la 39e touche est pour l'Amérique. Allez, encore une touche à inscrire pour passer le relais à Alexander Macialas. Il touche pas sur sa première attaque et c'est la remise. 9 touches d'avance. Elle est costaud, Itkin. Hein. C'est sûr qu'avec Itkin et Macialas, les Américains ont construit solidement, j'allais dire, cette victoire. C'est pas encore gagné. Mais Takahiro Shikine va devoir réaliser un exploit. Et on note l'absence quand même de c'est le cours de ce match. De Guirec Maynard dans cette équipe américaine qui est numéro 2 mondial, qui a une petite blessure, donc il a été préservé sur l'épreuve par équipe. Mais s'ils vont remporter cette finale sans Guirec Maynard, ce sera du très solide de la part des Américains. Et le pressing américain, toujours pareil. Battement de fer, j'enlève la lame. Allez, la remontada des Japonais peut-être. Et la 13 touches à inscrire. Ça peut aller vite comme ça, c'est jamais terminé. Attaque non valable. Oh non, il est en retard l'Américain. Alors qu'est-ce qu'il reproche aux Japonais ?
retour de l'arbitre. Peut-être parti bras court. Non, c'est confirmé, c'est non valable. C'était bien l'attaque japonaise. Mais l'Américain, il y a aussi une partie de gestion dans son match. Il a 7 touches d'avance. Il peut laisser couler le temps, travailler. On n'est pas obligé d'aller à 45. Et je vous le rappelle, c'est à la fin de ces 3 minutes. L'une des deux équipes a plus de points, c'est celle-là. C'est cette équipe qui l'emportera. Elle est bien faite encore. Valable. Ah, c'est dommage. Il manquait pas grand-chose aux Japonais. Ouais, l'attaque ne touche pas. C'est la contre-attaque de Shikine qui revient à 6 longueurs. Sereinement encore. Massialas totalement serein, une contre-attaque. Et c'est bien construit, ils restent à courte distance tous les deux. Les deux touches de rang pour l'Américain. Non, là il n'a pas fait l'effort. Je vous le rappelle, c'est leur quatrième match de la journée, quatrième rencontre. Sans compter les épreuves individuelles hier, ça commence à tirer dans les jambes. Et on voit que c'est dur de faire les efforts physiquement, de reculer. On va avoir tendance à lâcher un petit peu plus facilement. L'Américain qui avance, qui fait reculer le Japonais. Et la contre-attaque, il en a mis beaucoup des contre-attaques, ce Japonais. Mais c'est pas à lui de mettre des contre-attaques. Il est derrière au score, c'est à lui d'aller chercher son adversaire. Mais il n'a pas très bien compris, en tout cas ça fonctionne. Hein. Ah oui. 8 touches. Après il est joueur, il a un jeu très offensif, Massialas. Donc ça m'étonne pas qu'il aille le chercher. Mais attention. Bien amené. Oh, elle est importante, celle-là va lui faire du bien parce qu'il commençait à regarder le score défiler. La parade riposte touche dans le masque. Il est allé chercher une cible compliquée, l'Américain. Ah, et la parade. Oh, et la contre-riposte. Alors, l'arbitre préfère quand même aller regarder la vidéo avant de prendre sa décision. Alors, est-ce que c'était une parade du Japonais? Oui. Ah, il est un peu perdu, l'Américain. 39-44. Il a toujours une touche à inscrire pour offrir la victoire dans cette épreuve de Coupe du Monde à son pays. Direct, non valable. Et voilà, c'est fait.
Les États-Unis remportent ce challenge international de Paris, le Mazar Challenge, grâce à cette dernière touche inscrite par Alexander Macialas. Victoire sur le Japon, 45-39. Alexander Macialas, Nikitkin, Miles Chamley-Watson. On les retrouvera, bien sûr, dans quelques mois au Grand Palais pour l'épreuve par équipe des Jeux Olympiques. Les Japonais seront également de la partie numéro 1. Et les Français auront une belle carte à jouer. Oui, les Français. Troisième aujourd'hui. Qui complètent ce podium. Et vous savez quoi? On n'a pas d'Italien sur le podium aujourd'hui au Fleurium. Eh bien, ça change. Ils ont tout rappelé hier. Tiens, mais puisqu'on a quelques secondes, vous savez ce qu'on va faire, Célia? On va regarder le parcours des Français pendant que les Américains et les Japonais se font un petit débrief, se félicitent. On va regarder un petit peu le parcours des Français qui se sont donc classés troisième et qui ont quand même...